Je m'appelle Maïssa Germoud, j'ai 21 ans et je fais partie de l'équipe de France de natation artistique en lice pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Alors, je suis tombée dans la natation acrobatique grâce à ma sœur qui faisait de la natation aussi artistique. La voir nager en étant petite dans l'eau, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce sport. Un entraînement typique de nageuse artistique, c'est 8h30 par jour. Ça dépend les jours. Il y a énormément de travail dans l'eau, de répétition, de synchronisation, ensemble, en équipe. On nage ensemble à 8. Les 8 filles doivent être complètement synchronisées. Du travail en jeu aussi. Beaucoup de travail à sec au niveau de la musculation, de la prévention pour les blessures. Aussi faire des chorégraphies qu'on fait dans l'eau à l'extérieur pour avoir plus un regard sur nous-mêmes. On se met souvent devant des miroirs pour plus voir la similarité entre nous et corriger des erreurs qui ne sont pas visibles dans l'eau. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, ça demande énormément de temps de préparation avant le passage. On reste au moins 1h30 à se préparer avant de passer en compétition parce qu'il y a tout l'aspect esthétique. Au niveau des cheveux, on fait un chignon sur lequel on met de la gélatine alimentaire pour bien fixer les cheveux et pour pas que ça bouge dans l'eau surtout et que ça nous gêne au niveau du regard, tout ça. Et même esthétiquement par rapport aux juges, à tous ceux qui nous regardent à côté. On a aussi un point maquillage. On a eu quelques stages pour bien nous apprendre à nous maquiller, les différents produits qu'il faut utiliser, les pinceaux, tout ça, pour bien être prête avant le passage en compétition. Personnellement, j'ai certains rituels avant passage ou des petites superstitions que je fais avant de passer en compétition. Ça peut être un regard avec quelqu'un, ça peut être un encouragement ou quelque chose comme ça. Des trucs qui me font lâcher la pression, des exercices de respiration aussi, je fais beaucoup. J'ai choisi l'université Paris Cité parce que c'est l'université qui est en collaboration avec l'INSEP notamment. Qui ont des référents qui sont en contact avec mes référents de pôle à l'INSEP. Ils m'aident notamment à l'organisation de mon emploi du temps scolaire en fonction de mon emploi du temps sportif. Aussi de la délocalisation des examens puisque je ne peux pas toujours être présente aux examens à la date fixée à l'université, soit pour cause d'entraînement ou de compétition, de déplacement aussi. Donc c'est eux qui font le lien avec l'université pour tout ça. Forcément, on a beaucoup moins de sorties que les autres. On voit beaucoup moins notre famille, beaucoup moins nos amis. Parce qu'on passe la plupart du temps au bord du bassin. Donc moi, je suis encadrée par 3 coachs, dont une qui s'occupe essentiellement du duo et 2 autres essentiellement de l'équipe. À côté de ça, on a un très bon encadrement au niveau du staff médical. On a tout à disposition à l'INSEP, que ce soit médecin, kiné, chirurgien. On a notamment un préparateur mental qui nous aide à la construction et à la solidité de l'équipe. Moi, je sais que ça me motive beaucoup d'être avec ces filles-là continuellement. Je pense que j'aurais pas eu la même motivation si j'étais seule. Sans esprit d'équipe, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Donc c'est vraiment le point culminant de notre sport, c'est sûr. Donc si je devais dire quelque chose qui me tient à cœur, ce serait plus, je pense, l'accompagnement au niveau de ma famille, de mes amis aussi. Parce que c'est un énorme soutien mental. Tout au long de l'année, c'est vraiment mon soutien mental pour tenir les entraînements, pour tenir les compétitions, la pression, le stress, tout ça.